Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM, la 102.3, tous les vendredis à 18h. Rediffusion dimanche 17h. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Le Point 7. Nous sommes vendredi, les débatteurs sont encore en studio sur Diaspora FM. Nous allons polariser les attentions à partir de cet instant et pour une bonne soixantaine de minutes hein, et sur la 102.3 avec moi en studio. Julien Kitty, bonjour. Bonjour Peggy Ludovic Dagba, bonjour à tous les amis auditeurs de Diaspora FM. Avec vous en studio, Hilarion Kayan, il est le directeur général de Défi Info, bonjour. Bonjour Peggy, bonjour chers auditeurs de la radio de Glodibé. Alors, quels sont les retours que vous avez eus par rapport à la dernière émission? Malheureusement, on n'a pas pu distribuer les émissions dans les canaux qu'on utilisait habituellement. Je crois que c'est parce que la raison qui a motivé cela. Notre information était vraiment indisponible côté santé. J'espère qu'il s'est rétabli et on va rattraper cette semaine. C'est vrai que ceux qui vivent le délétage étaient très contents d'avoir entendu que nous sommes en train de défendre leur cause. Et nous espérons que ça passe vraiment. Et oui, ça doit passer parce que les responsables de la société et le ministre tutelle étaient vraiment, en pole position et ils ont quand même entendu, hein, ils en ont entendu. Julien Kitty, de votre côté, les retours? Non, je trouve que on a à toute chose malheur est bon, on va dire, parce que quand l'émission n'était pas, la dernière émission n'était pas distribuée sur les réseaux sociaux, on va dire. Sociaux, parce que c'est bel et bien passé sur les antennes de la radio. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup qui nous ont appelés pour dire, est-ce que nous ne pouvons pas avoir l'émission sur nos téléphones? Parce que nous sommes à une époque où, c'est vrai, la radio a écouté pas beaucoup de personnes, mais il y en a qui écoutent la radio, qui ont envie de réécouter l'émission sur leur téléphone. Il y a d'autres qui veulent rattraper ça sur leur téléphone. C'est la preuve que ce que nous faisons par ici est très bien suivi. C'est d'utilité publique. Tout l'honneur vous revient, Peggy Ludovic Dagba, vous qui coordonnez toute cette équipe de la radio Diaspora FM. Et puis, félicitations aussi à tous ceux qui dirigent cette maison et qui y travaillent. Maintenant, il y a eu quelque chose dont vous n'avez pas parlé pour taquiner Kenyon. Il est trop à l'aise à ma droite aujourd'hui. Le lundi qui a suivi, on n'a pas eu la une. On en vient. Un gros dossier. Ce qui pue au niveau de la mairie d'Abomey-Calavi. Il a préféré déposer ses valises à Ouida. Mm-hmm. Il avait prévenu. Hein. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que au niveau de Défi Info, il y a un travail d'illustration, un excellent travail d'illustration qui est fait. J'ai vu le maire de Ouida avec un système d'avolabomé avec un gros pain comme pour couvrir de sales affaires qui là-bas avec des titres qui devraient donner du tournis au maire. Et puis après, j'ai eu l'impression que ce n'était pas de la plaisanterie ce que Défi Info disait, parce qu'il y a eu un autre journal qui est revenu sur l'affaire, je crois, aujourd'hui, pour dire qu'il y a des questions liées à l'exploitation des carrières qui posent problème là-bas. Je pense que les médias aussi doivent jouer leur rôle. Très peu de médias aujourd'hui vont sur ces dossiers sensibles parce qu'on craint les représailles. Et alors que, comme le dirait Rabelais, notre métier de journaliste n'est pas de faire plaisir, mais c'est de porter la plume dans la plaie. Voilà. Donc que ça fasse mal ou pas, l'essentiel de débarrasser la gouvernance de tout ce qui la gangrène, quoi. Et là, il faut quand même dire que nous sommes, nous autres, dans notre rôle. Et il faut avoir les preuves avant d'aborder ces genres de sujets. C'est pour ça que les gens sont un peu frileux. Tout à l'heure, vous nous décochiez des félicitations, mais c'est d'abord à vous. C'est d'abord à vous deux, débatteurs. C'est vous qui faites. Non, laissez-moi parler maintenant. Okay, vous avez parlé, moi je parle maintenant. Donc c'est à vous deux que nous adressons nos satisfaits, parce que c'est vous qui faites l'émission. Merci vraiment pour, bien sûr, cette qualité-là des analyses et autres qui, ma foi, continuent vraiment de plaire. Et la preuve, vous l'avez dit, les gens en redemandent. Aujourd'hui, donc, on va les servir, puisque vous êtes encore en studio et le job, vous le connaissez, on va encore le faire. Nous allons parler donc de certains sujets de l'actualité aujourd'hui. La tournée gouvernementale, c'est fini, contre la vie chère.
Alors, on va se poser des questions. Quels sont les impacts de cette tournée gouvernementale sur la cherté de la vie? Il y a eu également la création du tribunal spécial des conflits domaniaux. Alors, c'est une information qui, franchement, attire les attentions, fait beaucoup couler, en tout cas, de l'encre et de la salive. Et puis, cette autre question qui, franchement, est sur toutes les lèvres, c'est bel et bien les organisateurs de Miss qui sont sous les convocations, parce qu'ils ont été entendus par l'OCRC, un dossier qui est en train vraiment de défrayer la chronique, on en parle. Je pense qu'on peut démarrer par là, hein. On en parle tout de suite, chers débatteurs. Hilarion Caillon, qu'est-ce que vous en pensez des organisateurs de Miss, hein, d'élections Miss qui se retrouvent aujourd'hui face à la justice? L'OCRC les a interpellés, les a écoutés et ils seront présentés au procureur de la République. Très prochainement. Moi, je me dis enfin, mais il faut qu'on ratisse l'âge. J'ai comme impression que il y a eu une interpellation sélective. Et il faut interpeller tous les organisateurs des élections Miss, des différentes élections Miss dans notre pays, parce que ce qui s'y passe. Pourquoi vous le dites dramatique. Regardez quand. Qu'est-ce qui s'y passe? Ce qui s'y passe est dramatique. Vous voyez quand vous avez des enfants qui vont à l'université, qui vont au collège, en terminale, quand ils viennent vous voir pour dire papa je vais aller faire l'élection Miss, faites-le à soi et demandez-leur ce qui s'y passe. Comment ça s'organise? Qui sont les organisateurs? Il faut vous demander ça. Quand on voit aujourd'hui, vous voyez, j'ai suivi depuis 2 ou 3 jours des audios sur les réseaux sociaux et maintenant des candidates qui ont déposé le tablier en pleine course parce que on les a soumis à des pratiques hors du commun. Vous imaginez qu'on remette un lot de tickets à une candidate et qui doit devoir son admission ou son admissibilité par la vente de 1 million de tickets, par exemple. D'abord, donc on remet le ticket, on identifie. Non, excusez-moi, allons-y doucement pour mieux comprendre. C'est-à-dire quoi? Ma fille est candidate pour pouvoir se faire élire Miss parce qu'elle estime qu'elle peut prétendre à la couronne. Tout à fait. Maintenant, on la sélectionne, elle entre un peu au couvent, comme on le dit, pour les préparations et tout. Absolument. Maintenant, avant la soirée, on lui remet un lot de tickets. Très bien. Forcément. Avant la soirée, on distribue à toutes les candidates des lots de tickets à vendre obligatoirement. Wow. On peut dire c'est celui ou celle qui a vendu, c'est celle qui a vendu 1 million ou 600 000 qui on fixe un quota qui peut être mixte. La mixte n'est plus choisie selon les critères de beauté, selon la capacité intellectuelle, selon les critères de beauté. Non, on détermine les critères par celle qui a vendu le plus de tickets. Et mieux, quand vous remettez les tickets, on dit c'est celle qui a vendu 600 pour être mixte. On identifie les gens chez qui vous pouvez déjà partir, les gens qui ont déjà l'espèce sonante et trébuchette en main. Wow. Et on peut envoyer la seule jeune fille auprès de 5 patrons, 5 boss et qui ont en main l'espèce sonante et trébuchante. Donc quelqu'un peut t'abuser de la fille pendant des temps avant de lui donner 100 000 francs de vente. Après, on revoit la même fille, vers une autre personne, parce que c'est des personnalités. Et donc, on vend ces tickets-là, et c'est après la vente qu'on dit, toi, tu peux être Miss, toi, tu peux être Dauphine, toi, tu peux... Vous avez vu ce qui s'est passé récemment au cours d'une élection Miss, il y a à peine 1 mois, où une fille a été obligée, une fille qui a été classée 4e, elle a enlevé sa toge et l'a jetée dans le visage de l'organisateur principal. Wow. Parce qu'elle a été avertie qu'elle n'a pas vendu trop de tickets. Elle s'imaginait déjà Miss parce que elle se dit capacité intellectuelle, elle est au point, et beauté, elle est au point, mais parce qu'elle n'a pas vendu, elle n'est pas devenue Miss, on l'a mis en 3e position. Elle a été obligée de rogner le gâteau devant tout le monde. Je crois qu'il faut que les autorités à divers niveaux interpellent ceux-là et qu'ils rendent compte, qu'ils répondent de leurs responsabilités. On peut avoir des enfants à l'université, des jeunes de 22 ans, 20 ans, qu'on en abuse fatalement pour des intérêts purement personnels. Aujourd'hui, les gens organisent ces choses-là pour vendre les filles et avoir de l'argent dans leur poche, subvenir à leurs besoins individuels. Et dites-vous, pour la plupart des cas, ils sont protégés par des personnalités encore de notre pays. Il faut que le gouvernement s'intéresse, il faut que les ministres s'intéressent à cette affaire-là et qu'on arrête ça même une fois pour de très bon. C'est inadmissible qu'on voit des organisateurs qui recrutent les filles pour leur beauté, les vendent sur le marché, sous le fallacieux argument de « on est en train de faire élection ministre ». L'élection Miss, aujourd'hui, tel que ça se passe, les différentes élections Miss, tel que ça se passe, Miss Universitaire ou Miss Cotonou, différentes Miss, je crois qu'il faut mettre fin à ça. Il faut que les parents aussi prennent leurs responsabilités. Si vous avez votre enfant qui va à l'université, qui dit « je veux faire Miss », il faut l'arrêter.
L'enfant n'est pas allé à l'université pour faire concours mixte. Il est allé pour travailler et devenir elle-même demain. Pour les parents qui se disent, ma fille est belle, j'accepte qu'elle aille faire concours mixte, c'est du leurre. Ce qui s'y passe est crapuleux. Il faut qu'ils s'intéressent à ça. Et heureusement, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont là et qu'ils nous informent suffisamment. Que la fille aille vendre son sexe, aille se vendre, à la place des tickets, avant d'être choisie mixte. Je crois qu'il faut qu'on en arrête aussi rapidement que possible. Et ça, il faut l'arrêter d'abord. On n'a pas besoin de dire, il faut les encadrer. Il faut arrêter les leçons mixtes au niveau, tel que ça se passe aujourd'hui, au niveau de nos universités, au niveau de nos grandes villes, il faut que ça soit arrêté. On peut pas en train de parler de porti-porta, et ça va s'en ajouter. On veut faire quelle jeunesse demain? C'est la semaine dernière, on parlait de porti-porta. Aujourd'hui, c'est les dessous scrabreux de leçons mixtes que nous sommes en train d'entendre. Ce que j'ai entendu à travers les réseaux sociaux cette semaine-ci, c'est ahurissant. C'est ahurissant, il faut qu'on en arrête aussi rapidement. Nous voulons faire quel adulte demain? On veut faire quel cadre demain? Des cadres que ça donne, des jeunes, nos enfants, qu'on se permet de vendre sur le marché et avoir de l'argent pour soi, pour dire qu'on fait élection mixte. Ta fille peut être belle n'importe comment. Ta fille peut avoir n'importe quelle éducation. Mais tant qu'elle ne s'est pas donnée pour avoir de l'argent et vendre les tickets, elle n'est jamais mixte. Et donc, je me dis qu'il y a quelque chose, qu'il y a quelque part une fuite criarde de responsabilité de la part des parents qu'il faut rapidement corriger, même si l'État ne veut pas prendre ses responsabilités. Parce que les filles émanent de certains parents. Tout à fait. La fille ne sait pas aller à l'université en l'air. À vous de faire asseoir vos enfants pour dire, vous n'êtes pas allé à l'université pour aller faire concours. Ce sont les parents qui ont un grand rôle à jouer. C'est une responsabilité de la part des parents. Il faut qu'ils se ressaisissent assez rapidement. Et on voit encore ces organisateurs qui se la coulent douce à travers les télévisions, les radios pendant qu'ils... Parce qu'ils se font intouchables, parce qu'ils se disent on est protégé par autorité. Ce n'est pas normal, ça va à l'encontre de la moralité. Et c'est en ça que j'interpelle aussi l'INF. L'INF, il a du pain sur la planche. Il a du pain sur la planche. Aujourd'hui, ce n'est pas pour rien que le président Talon a créé cet institut-là. Ce n'est pas pour rien. C'est pour que cela... Le monde est en train d'évoluer en décrescendo. La jeunesse est en train d'être sacrifiée. Les valeurs sont en train d'être perdues complètement. Vraiment disparaître. Les valeurs sont bafouées. Et il faut que l'INF s'auto-saisisse aussi et saisisse la justice de la République pour que cela cesse. C'est aussi de sa responsabilité. Faut pas que, sous son regard impuissant, qu'on voie nos filles, nos enfants être sacrifiés pour des intérêts personnels de certains zouaves, de certains inconscients. Qui ne veulent que... Non, pas rentrer dans ce registre-là. Se faire rentrer dans leur poche. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, il faut le dire. Julien qui dit, comment analysez-vous ce fait? Comment peut-on en arriver à cette bassesse en République du Bénin? Et qui plus est, cautionnée encore par des autorités, même des élus de la nation. Non, on va pas appeler des noms. Non, mais... On va pas appeler les noms, mais vous savez de quoi nous parlons. Nous savons ce qui se passe. Et ceux qui entretiennent ces réseaux-là, qui profitent de ces réseaux, ils savent très bien que nous le savons. Mais ce qui est dommage, c'est en suivant une vidéo d'une dame, elle doit être camerounaise, hier, sur les réseaux sociaux, et qui comparait ce qui arrive là au principe du business. Où elle démontrait que pour tuer un business, il faut attaquer la demande. Et non se concentrer seulement sur l'offre. C'est-à-dire que si ces filles, c'est vrai, il faut les éduquer. Non, il faut les éduquer. Il faut dénoncer celles qui s'adonnent à ça et surtout qui font la promotion de ces pratiques-là sur les réseaux sociaux. Mais il faut que les autorités, les institutions prennent leurs responsabilités pour que s'il n'y a plus de grotto, il n'y a plus de boss qui mettent de l'argent dans ce genre de choses, qui acceptent jouer le jeu de ces commerçants de sexe qui se font passer pour des promoteurs d'élections mixtes, je suis sûr qu'ils ne sont pas tous de cet acabit-là, que ceux qui le font bien nous en excusent. Si des autorités savent qu'elles sont en position d'éducateurs et ne doivent pas accepter qu'on leur donne, comme ça a été décrit dans une dénonciation il n'y a pas longtemps, qu'on leur donne les clés, les doubles des clés des chambres où se trouvent des filles candidates à des élections mixtes. Mais c'est grave. Pour aller les violer. Eh bien, si ces autorités-là se sentent responsables... Ils s'en passent, mais choses. Ça, là, c'est le Bénin. Alors, ces filles vont comprendre, celles qui ont refusé d'écouter leurs parents, vont comprendre qu'on ne va pas à l'université pour ça, on ne va pas faire un concours Miss pour ça.
que ce soit à l'université, au collège ou ailleurs, dans la vie active. Alors, donc, je pense que c'est une éducation qui est ratée. Et le plus dangereux aujourd'hui, Hilarion Quéillon a interpellé, à juste titre tout à l'heure, l'Institut National de la Femme. Est-ce que vous savez que la présidente de l'Institut National de la Femme, pour s'être fondue d'un communiqué ou d'un message d'indignation la dernière fois, au sujet de ce qu'elle a appelé les atteintes aux mœurs, la chosification de la femme. De la femme, en demandant aux jeunes filles et aux femmes, surtout béninoises, qu'on commence pas à voir dans certaines vidéos, faire l'apologie de ces actes-là, c'est pas bien. Eh bien, de prendre conscience de ce que le corps de la femme est sacré. Et que ça, tout ce qui désacralise le corps de la femme et qui dévalorise la femme, il ne faut pas continuer à le faire. Est-ce que vous savez qu'il s'est trouvé des jeunes filles, des jeunes dames pour s'acharner contre la présidente de l'Institut National de la Femme sur les réseaux sociaux, sous le prétexte que c'est pas ce qui devrait être sa priorité? Ah ouais? Elle ne devrait pas parler des effets de poti-pota ventilés sur les réseaux sociaux. Elle ne devrait pas parler d'autres pratiques. Non, non. Une institution de la République dévolue à la défense des droits de la femme. Il y en a, je peux vous faire des captures d'écran que j'ai lu. Il y en a qui vont jusqu'à dire pour avoir sorti ce message-là, elle ne mérite pas d'être à la tête de l'Institut National de la Femme. Wow. Il faut donc que, en tant que président de l'Institut National de la Femme, elle soit tolérante. Et que le fait même de dire que de donner des leçons à ces jeunes filles là et à ces femmes, c'est comme si elles les jugent, et que ce qui devrait être sa priorité, c'est les femmes qui subissent violence par-ci par-là, sans savoir que le fait que ces images soient diffusées sur les réseaux sociaux, l'apologie de ces pratiques malsaines soit faite sur les réseaux sociaux, est déjà une violence qui est faite vis-à-vis à d'autres filles et à d'autres femmes qui ne sont pas encore dans ça et qui sont faites même aux femmes dont les corps sont exhibés. C'est clair. Aux femmes qui sont ridiculisées, qui sont dont l'honneur est dégradé sur les réseaux sociaux. Et je tombais des nues. Ça veut dire quoi? Et j'ai été amené à faire mon analyse, à me demander, mais c'est que c'est comme ça qu'elles pensent. C'est leur génération qui pense comme ça. En fait, ces filles, y en a qui ces personnages ne sont même pas encore conscient de l'effet et du mal qu'on leur fait. Alors, et Peggy Ludovic Dagba, ce que j'ai été amené à faire, je me suis amusé à voir les pages de ces jeunes dames-là qui se disent féministes, et qui s'assument et tout. J'ai vu le tranche d'âge. J'ai vu de 18 ans au plus 28 ans. Ben oui, voilà. Alors, quelle est la génération sur laquelle on compte pour avoir des femmes leaders, pour avoir des femmes qui vont soutenir l'action de l'Institut National de la Femme pour que le leadership féminin puisse se renforcer et s'imposer? Elles ne s'instruisent pas. Ça veut dire qu'il y a un problème à régler. Ce n'est pas seulement savoir lire et écrire, s'instruire. Bien. Alors, donc, il ne faut pas simplement se montrer fruit de comment on appelle, nouveau programme et venir raconter des choses sur les réseaux sociaux. Et donc, il faut qu'on fasse la part des choses pour savoir qu'il y a de l'éducation à faire au niveau de ces filles, ces jeunes dames qui commencent à être des adultes et qui donnent l'impression qu'elles s'en foutent pas mal. Vous voyez une dame qui a sur TikTok qui raconte qu'à visage découvert qu'elle voulait tromper son mari, qu'elle est allée avec le gars avec lequel elle voulait tromper son mari et que quand ils ont eu de relations sexuelles, qu'elle est revenue. Que, excusez-moi le terme, que le sexe de celui avec qui elle avait des relations sexuelles était plus volumineux que pour son mari après. Vous n'allez pas continuer. Vous n'allez pas continuer. Non, il faut le dire. Et qu'une femme, et si je vous montre la vidéo, c'est une femme, si vous la rencontrez, elle a tout l'air d'une femme correcte. Elle parle fond. Donc elle est béninoise. Les gens la connaissent. Et pourtant elle vient comment raconter. Comment elle en est arrivée salades, psychologiquement à ne pas être gênée de faire cette vidéo-là? Parce que même si elle n'a pas fait ça pour que ce soit diffusé partout, une vidéo qu'elle a réalisée, elle a passé certainement à quelqu'un. Ça veut dire que ça peut se retrouver dans le public. Elle est consciente que ça va se retrouver dans le public. Elle peut éduquer ses enfants comment? Donc, ce qui se passe dans les élections mixtes que vous observez là, en fait, c'est une partie de ce que le fruit d'une éducation qui a été, je vais dire, ratée sur peut-être une décennie, deux décennies. Maintenant, il y en a qui commencent par attaquer la présidente de l'institution en disant il faut qu'elle aille s'investir dans l'éducation des nouvelles générations.
Mais elles oublient. Mais vous l'avez dit, l'éducation, 18 à 21 ans. Très bien. Alors, est-ce que le fait de faire un message du genre est synonyme de ce que la présidente ne veut pas s'occuper des cas de violence faite aux... Est-ce qu'il y en a qui savent au moins le nombre de plaintes qui se retrouvent sur la table de la présidente de l'Institut qui, à peine 9 mois d'existence avec l'INF, là, nouvelle formule, là, a déjà tellement de plaintes à C'est la preuve qu'il y en a. Il y en a à foison. Elle devrait même compter sur le soutien de ses filles et ses jeunes dames, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et je rejoins Kenyon qui dit... Il faut que dans ce pays, on choisisse d'être suffisamment responsable. Je pense que dans ce pays-là, les gens, si on fait les enquêtes, si au niveau de l'Institut national de la femme, on fait les enquêtes, si au niveau du ministère de la Justice, on fait les enquêtes, si au niveau de la police judiciaire, on fait les enquêtes, ça ne doit pas être compliqué de savoir qui organise les concours Miss, où on met les filles dans les chambres, on envoie des boss, des opérateurs économiques, les doubles des clés, des autorités politiques, des supposés boss. Mais quel genre de boss? Alors donc, il faut que ce soit tranché. Et nous comptons sur le chef de l'État, dont le courage est célébré. Nous le célébrons ici. Kenyon a eu de cesse de dire que, même dans la sous-région, le président de la République le plus courageux que lui connaît, c'est le président Patrice Talon. Donc, je pense qu'il faut que le gouvernement puisse frapper à ce niveau-là. Maintenant, je voudrais revenir sur l'interpellation. On a interpellé 3 promoteurs de concours Miss. Je voudrais qu'on évalue ça. Il y en a beaucoup. Très bien. Il faut approfondir les enquêtes pour savoir. Il y a même pire ailleurs. Il faut interpeller tous les organisateurs des concours Miss au Bénin. C'est-à-dire et qu'une enquête. Les Miss Estudiantines. Voilà, il y a les Miss Estudiantines. Par exemple, le drame s'observe beaucoup au niveau des étudiants. Miss Estudiantines, qu'est-ce qu'il y en a? Miss Cotonou. Il ne faut pas s'arrêter aux Miss Continental, Miss Cotonou. Non. Il faut aller en profondeur. Les Miss Collège, il faut aller en profondeur. Mettre en place une commission d'enquête qui travaille profondément et que les fauteurs répondent de leurs actes. Parce que ce n'est pas normal qu'on prenne l'être humain. Ça peut pas être dans tous les autres pays, mais au Bénin, le Bénin, c'est un pays de tradition. Mais pourquoi cette déviance? Pourquoi cette déviance? Mais c'est les masses médias. Non. Quand vous voyez les enfants aujourd'hui, il est en premier, on lui donne iPhone. On dit, c'est mon enfant, il a iPhone. Ouais. Il doit faire des recherches, ils sont portables. iPhone. Non, mais on n'éduque pas les enfants suffisant. Moi, mon enfant n'a touché au portable quand il a eu le bac. On ne peut pas éduquer. C'est le minimum. Pas le portable. C'est anormal. Nous, on avait, Peggy, on a été au collège. Quelle recherche tu as fait aujourd'hui sur, tu as fait hier, sur le portable? Quel travail tu as fait aujourd'hui, ça a fait de manière extraordinaire. Et qu'on ne peut pas faire. Négatif. Et donc, il faut que les parents se disent, on ne gâte pas l'enfant. Tu vas dans un cyber. C'est quand le cyber est sorti, ça. Et tu es content de voir un grand 300 francs là. Julien, vous faites bien de rappeler. L'enfant est en 4e, tu vois, il a iPhone, il a portable, dernier cri. On dit, c'est mon enfant, il va faire recherche. Moi, j'ai refusé à ma fille. C'est normal. Je n'ai qu'après le bac. C'est normal parce que ça le sait. Et encore, il faut être regardant là-dessus. Ça le dessert plus que ça le sait. Mais il faut que les parents le sachent. Le fait, c'est nous-mêmes qui éduquons mal nos enfants. Et on s'en prend encore aux gens. Il faut qu'on éduque d'abord l'enfant à la maison. Il ne faut pas éduquer l'enfant vers les masses sociaux. Pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous voyez, on n'arrive même pas à auditer le programme des télévisions. Voilà. Aujourd'hui, on prend les abonnements sur Canal+, on ne sait pas quelle chaîne l'enfant est en train de regarder. L'enfant regarde tout. Non, c'est complètement faux. À défaut d'avoir une association de consommateurs des programmes de radio, de télévision, ce que nous observons sur les chaînes internationales, il faut contrôler. On ne peut pas laisser faire abonnement 19 000, 25 000 sur Canal+. On dit, bon, les enfants vont regarder télévision. Mais ce qui se passe, c'est que vous savez. Ce n'est pas pour rien qu'on met quelque part en bas, encerclé, interdit à moins de 11 ans, moins de 12 ans. Mais les parents ne font même plus attention à ça. Mais ils ne sont même pas là. Tout. Ils ne sont même pas présents. Ils ne sont même pas présents. Les commandes sont là, ils regardent quand ils veulent. Et après, on commence à dire, porti porta. C'est les choses comme ça. C'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. On va demander à ce que ce dossier soit particulièrement suivi, autant par, bien sûr, l'OCRC que par la justice, afin qu'on sache réellement qui... L'INF, vous l'avez dit, l'Institut National de la Femme, et qui doit donc porter ce dossier-là. Et je suis sûr que la présidente Claudine Lafayette-Prudentiaux vous entend. Elle qui écoute bien cette émission-là. Voilà. C'est les enfants d'aujourd'hui que c'est le cas de demain. C'est cela. Absolument. Nous allons passer à un autre sujet dans cette émission. Hilarion Kenyon. Non, c'est vous qui avez démarré tout à l'heure. Tu m'as fait démarrer. Donc, Julien Kitty prendra, bien sûr, le
rôle du... Il est très regardant sur la distribution. Ah ben oui, c'est très important. Je ne veux pas qu'à la fin de l'heure, on me dise, ouais, telle personne a été bon, lésée. Vous savez très bien que vous risquez de voir votre favorisé. Carte déchirée. Non, laissez tomber, vous n'allez pas en arriver là. Alors, l'autre sujet qui quand même a polarisé l'attention, c'est la tournée gouvernementale contre la vie chère. Malgré tout, contre vents et marées, cette tournée a eu lieu. Nous avons eu, différents reportages, des révélations, surtout des populations qui ma foi, se sont exprimées. Il paraît que les membres des délégations, un peu partout, en ont eu pour leur compte. Leurs oreilles en ont entendu. Alors dites-nous, finalement, est-ce que le gouvernement ne devrait pas faire cette sortie-là? Non, je pense que finalement, avec le résultat qu'on a eu, on peut dire que c'était nécessaire de faire cette tournée. Parce que on a tous eu quelques appréhensions, ne serait-ce que sur ce que ça peut coûter de s'investir dans cette tournée-là. Mais après, lorsque on voit que ça a permis à des citoyens de s'exprimer, de pouvoir dire au gouvernement jusqu'où... Ils ont mal. Ils ont mal. Que j'ai pu entendre... des phrases du genre d'un chef quartier à Lokusa qui dit à toute la délégation... Vous avez suivi le même audio que moi. Je vous en prie, mettez les routes en berne, donnez-nous à manger. Ouais. C'est une image que ça présente. Ça a été évocateur. Ce n'est pas pour que nous soutenions que les infrastructures routières ne continuent pas. Mais ce chef quartier, sa voix est représentative de ce que pense beaucoup de Béninois qui disent « Mais si c'est pour les routes que nous ne devons pas manger à notre faim, autant arrêter d'abord et que arrêter d'abord pour être en vie. » Maintenant, le gouvernement aussi a eu la possibilité d'expliquer donc à ses citoyens comment on peut être en train de faire les routes et continuer toujours de juguler, à donner à manger aux populations. Voilà, la possibilité de manger de mieux en mieux. Et puis, pour y arriver... le gouvernement a dû expliquer tout ce qu'il est en train de faire et qui n'était pas connu du public. Parce que ça aussi, c'est très important. Mais quand vous travaillez pour des populations, quand elles ne sont pas informées de ce que vous êtes en train de faire pour elles, c'est exactement comme plein d'adages le disent chez nous. Par exemple, qu'on dise que, le singe transpire, mais les poils ne permettent pas qu'on le sache. On vous dira que le cadavre qui est à la morgue ne sait pas qu'on court pour son inhumation. Mais tout compte fait, nous sommes dans un rapport de contrat, dans un contrat social qui oblige le gouvernement à aller faire de la reddition de compte, à faire dans ce qu'on appelle plus précisément dans la redevabilité. C'est-à-dire que les populations qui sont demandeurs de redevabilité et les autorités qui sont offreurs de redevabilité. Donc, allez dire ce que vous aviez promis, programmé, vous nous avez informé, voilà ce que vous avez fait. Lorsque nous avons eu tel problème, voilà ce que vous avez fait. Certes, il faut reconnaître comme les autorités l'ont fait, et c'est ce que je salue également dans la démarche des ministres, députés, DG et autres là, parce que beaucoup s'attendaient à ce que ces autorités aillent tenir un langage de gens suffisants pour dire tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais j'ai entendu des ministres, j'ai entendu des membres de délégations gouvernementales dire nous reconnaissons que vous avez mal, nous reconnaissons que ceci là c'est pas encore suffisant, mais sachez que nous avons pu faire ceci d'abord et voici ce que nous sommes en train de prévoir. Et encore l'autre intérêt qu'on a pu noter donc dans les résultats de cette tournée là dont on a vu la pertinence, toute la pertinence pendant qu'elle se déroulait et pendant que on tire les conclusions de ça, c'est que il y a eu des astuces ou un peu comme des idées qui ont été données aussi bien aux gouvernants par les populations que aux populations par les gouvernants pour soit même adopter des comportements qui permettent de supporter la crise. Vous savez, bon, je ne parle pas des propositions à la Nazaire Sado, hein. Non, je ne vais pas dans ces incongruités Il faut imposer un uniforme aux fonctionnaires de l'État. Non, il faut que s'il propose ça, il faut aller lui proposer qu'il faut cesser de donner le salaire aux députés Hilario Quignon en parlera tout à l'heure. Et je pense que sincèrement, il faut que des députés de cet acabit arrêtent de pourrir les initiatives du gouvernement avec des propositions aussi saugrenues que ce que nous avons entendu. Mais ça, c'est pas de ça que je parle. Je parle par exemple
des idées qui ont été données aux populations pour dire mais de consommer de faire l'effort de consommer local, par exemple. C'est vrai, on le disait depuis longtemps. Alors, les populations aussi, on ne s'y attendait pas. Ne se sont pas contentés de se lamenter pour dire on a fait et tout. Ils ont dit au gouvernement un certain nombre de choses qu'il faut faire. Ils ont dénoncé certaines situations au niveau des commerçants pour dire mais le système de contrôle que vous avez mis en place n'est pas encore performant pour que les mesures que vous avez prises pour atténuer la cherté de la vie puissent être appliquées sur le terrain. Et maintenant, les populations ont souhaité, j'ai l'impression qu'elles ont pu facilement oublier ce que ça peut coûter de faire cette tournée en suggérant dans plusieurs localités que ce genre de contact puisse se faire régulièrement. Au moins deux fois par an. Voilà. Quelqu'un est allé jusqu'à dire deux fois. Je pense que c'est nécessaire de le faire aussi. Donc le jeu en vaut la chandelle. Maintenant, deux choses à suggérer pour la suite de cette expérience, c'est que l'expérience soit inspectée, auditée pour voir est-ce que ça a coûté trop cher? Est-ce qu'il y a possibilité de voir comment faire pour que ça coûte de moins en moins cher si ça avait coûté cher? Est-ce qu'il y a des autorités, je reviens sur ma proposition de la fois dernière, s'il y a des autorités dans cette délégation-là qui peuvent dire nous avons gagné nos salaires pendant longtemps, nous avons gagné nos primes pendant longtemps pour ces gens de tourner, nous décidons d'offrir de supporter les frais liés à ça. Quitte à ce que, quand même, au niveau de l'assurance, sécurité, ce soit pris en charge par l'État. Deuxième suggestion, c'est qu'il ne faut pas que les éléments, les informations, les retours recueillis après cette tournée-là soient déposés dans des tiroirs. Il faut que, donc, il y ait, pourquoi pas, un débriefing qui soit fait et que tout ce qui a été entendu, région par région, on puisse voir les propositions qui sont transversales, donc qui sont applicables à toutes les régions, les propositions qui sont spécifiques à certaines régions, pour qu'on puisse mettre tout ça dans un document, pour améliorer l'action gouvernementale en direction des populations. Et que donc chaque ministre puisse aussi améliorer ses performances à partir de ça, parce que, et j'en aurais fini, un ministre, un gouvernant, un président de la République, il travaille d'abord pour les mandants. Hilarion Quignon, dont le bébé a commencé à pleurer. Voilà. Il le calme vite ça. Il dirait dans son téléphone. Et il nous revient rapidement. Voilà. Dites-nous, vous, votre analyse de ce bilan-là, est-ce qu'il est élogieux? Sans oublier quand même cette belle proposition dénoncée, décriée par Juliette Kitty, qui émane du député Nazaire Sado. Je suppose qu'il va être dossier. Moi, j'ai lâché de poule quand vous évoquez la victoire de cette tournée ou la réussite de cette tournée gouvernementale. Je voudrais demander, en toute honnêteté, quel est l'élément nouveau qu'ils ont recueilli sur le terrain quand ils ont fait cette tournée-là? Mais ils ont au moins écouté les populations. Qu'est-ce que les populations n'avaient pas dit? C'est maintenant ils ont entendu. Mais ils n'avaient pas les populations en direct comme ça. Il y en a qui leur ont dit, par exemple, dans l'audio qu'évoquait Julien Kitty, il y a des gens qui, jusqu'à 23 heures, ne savent pas ce qu'ils allaient manger avant de se coucher. S'il vous plaît, vous ne savez pas ça? Vous pensez qu'ils ne savent pas ça? Mais si, nous, on savait. Le président Talon est plus intelligent que ça. Eux, ils ne le savent pas. Le président Talon a certainement autre objectif dans cette tournée que celui qu'on est en train de nous brandir. Mais quel est cet objectif que vous connaissez? Plus que ça. Sinon, je l'ai dit et je continue de le dire. Cette tournée est une opportunité rare. On n'en a pas besoin. Le peuple n'a pas. Regardez, imaginez combien de millions étaient engloutis dans cette tournée-là. Mais on pouvait en faire autre chose. On pouvait en faire. Oh, imaginez qu'on achetait par commune les sous destinés à venir dans une commune pour se tourner, qu'on achetait des vivres et qu'on a dit aux populations venez acheter des trucs forfaitaires. Imaginez comment ça, à quel point ça peut amortir les charges liées à cette cherté de la vie. Non, mais je crois qu'on peut réfléchir autrement. C'est pour ça que j'ai dit, je doute que l'objectif soit celui que nous voyons là. C'est pas l'objectif apparent là qui pourrait être l'objectif visé par cette tournée. Parce que je suis rassuré, le président Talon est plus intelligent que ça. Je ne suis pas sûr que c'est ça qui est. Il y a une chose cachée. Et allez fouiller, vous allez trouver. Mais en tant que journaliste, vous avez investigué. Quand je vous ai dit, nous sommes à quelques mois de l'élection législative. Vous avez vu percevoir des choses. Les gens sont remarqués, les gens veulent voir, est-ce que nous sommes encore populaires? Est-ce que la bonne qu'on était hier, on le demeure aujourd'hui? N'allons pas chercher ailleurs. Mais ça a été sinon, le cas. Sinon, ils veulent dire quoi? Mais ils doivent remarquer, s'ils ont été lucides, s'ils veulent être sérieux vis-à-vis d'eux-mêmes, ils doivent remarquer que le peuple est fatigué.
que le peuple est fatigué. Il faut bien construire des routes. L'une chose de construire les routes, mais une chose de passer sur les routes là, et avant d'y passer, il faut être rassasié, il faut être vivant. Voilà, alors, voilà un constat. Je suis d'accord, je ne suis pas. Je ne tire pas Bleu Rouge sur les réactions du chef de l'État, non. Mm-hmm. Mais c'est vrai, c'est un constat. Mais il le savait, non. Mm-hmm. C'est pour ça que je dis, l'objectif, ce n'est pas de voir ce que vous voyez là. Nous sommes à quelques mois des élections législatives. Est-ce que nous sommes encore populaires comme on l'était hier? Je pense que c'est l'objectif caché derrière cette tournée-là. Mmh. Et ça devait permettre aux dirigeants de régler les choses pour aller. Pourquoi on a fait injonction aux députés d'être présents partout? Pour votre information, les députés maintenant d'un département, plus de la circonscription électorale, hein, les députés maintenant d'un département d'être présents dans toutes les communes de ce département-là. Wow. Lors du passage de la délégation. Oui, dans tous les départements. Vous allez voir les députés de la 6e présents à Tory, présents dans toutes les électorales qui sont l'émanation du département de l'Atlantique. C'est pour dire que les gens savent pourquoi ils sont en train de faire ça. Ne pas aller dire aux gens, voici les mesures qu'on a prises. Les mesures se sentent. Tant que je n'ai pas senti, ne viens pas me dire que j'ai pris telle mesure en ta faveur. Je ne sens pas la chose que tu as pris des mesures. Je continue d'acheter le ciment à 84 000. Et tu me dis, écoute que j'ai pris telle mesure. Ça se sent, ça ne se dit pas. Mais moi, j'ai entendu des populations dire, par exemple, qu'ils comprennent mieux les mesures que le gouvernement a prises. Vous savez, je ne voudrais pas qu'on nous abêtise tous. Et il y a des invités préparés, des invités qui sont là pour voir ce qui se passe et des oisifs préparés partout. Nous avons ce n'est pas des délégations fausses, s'il vous plaît. Ils savent. Enfin, au lieu de venir me dire qu'on a amené le ciment à 75 000, que j'achète vraiment le ciment à 75 000, je vais applaudir. Les choses qu'on doit faire sont là. Quelles sont les mesures répressives qui sont prises pour empêcher les commerçants véreux qui continuent de vendre le ciment à 80 000, 95 000. Ça se vend jusqu'à présent, je vous dis. Justement, il y a quand même eu des cas de dénonciation, non? Est-ce que ceux-là... Il faut populariser ces cas-là, il faut les montrer pour qu'on sache. Je continue d'acheter du pain. On a rabougri maintenant le pain. Ah, vous revenez à votre histoire de pain. C'est de la tricherie. Ils ont rabougri. Quelles sont les commissions mises en place pour démanteler ces informations? Non, heureusement, ils ont ramené le pain à 150 francs dans cette boulangerie. Mais c'est des pains rabougris. Les pains maigris, on dirait qu'ils sont malades. Donc, vraiment, les choses, on ne fait pas expliquer les mesures se sentent. Tant que je n'ai pas senti qu'ils ont pris mesure à ma faveur, venir dire, ça ne s'entend pas. Qui va entendre l'homme qui a faim ne veut pas entendre ces choses-là. Les mesures prises, c'est les mesures qui doivent être senties par les consommateurs. Alors, Hilarion Kenyon, autrement, les mesures ne sont pas prises. Au vu des constats, le bilan que vous dépeignez là, qu'est-ce que le gouvernement doit faire doit adopter comme attitude pour peut-être corriger les choses? C'est ça, je reviens encore sur ça. J'ai comme l'impression qu'on mène un dialogue de sourds. Le gouvernement a d'outils suffisants pour faire constater à sa population les mesures prises. Il faut mettre sur pied des brigades de démantèlement des réseaux mafieux qui continuent d'abuser de la population. Il faut aller peser. Nous avons une direction chargée de la qualité et du prix. Il faut aller sur les marchés voir le pain qui est vendu, combien ça pèse. Quel est son grammage qui doit être vendu à 150 francs? Et quel est le grammage actuel? Le ciment, il faut changer d'accoutrement. Au lieu de partir avec les motards, les voitures 4x4 climatisées ou autres, aller autrement voir les ciments, combien ça se vend. Ils auront le coût réel. Installer des outils de répression, c'est ça qui va amener les gens, les populations à sentir que les mesures sont prises. Pendant qu'ils sont en train de passer de quartier en quartier, à leur côté, le ciment est en train d'être vendu à 90 000 francs CFA. À côté d'eux, pendant qu'ils sont devant le micro en train de sensibiliser la population, le ciment est en train d'être vendu à côté d'eux à 90 000 francs CFA. Et donc, c'est pour ça que je dis, des mesures sont là. Est-ce que le gouvernement, on va dire aujourd'hui, est incapable de prendre des mesures pour faire respecter sa décision? En principe, le gouvernement ne doit pas être incapable. Il y a quand même des structures de contrôle de prix. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un manque de volonté. Et nous savons comment ces structures-là opèrent sur le terrain. Il suffit d'avoir une volonté politique. Et ça va marcher. C'est 2023 toujours en point de mire qui explique ça. Mais c'est ça que je vous dis. Les gens, les mêmes personnes qui vendent les ciments, qui vendent les produits de cacaoïrie, c'est les mêmes personnes qui sont les bailleurs des partis à différents niveaux. Et donc, il faut crier pour montrer qu'on est en train de prendre des mesures. Au même moment, on dit, et l'autre, attends, chacun joue son rôle. Hein, on a comme impression qu'on assiste à une scène comme ça.
Sinon, si ce n'est pas le cas, faites la répression, dénoncez la répression, montrez, populariser. On peut quand même aller prendre des cas. Voilà. Sanctionner, visiter, montrer aux gens. Parce que je sais que le Béninois est sensible à la répression. Très bien. Fermez des boulangeries, fermez des cimenteries et que le cas soit papa. Moi, je vous dis, je connais d'acheter, j'ai pris le ciment à 84 000 francs, c'est pas dans mon quartier, à Godometogudo. Et donc, pas plus tard que hier seulement. Et donc, qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui? Le ciment doit être à 75 000. Celui qui vend ça à Cotonou à 84 000. Mmh. Imaginez celui à combien on vend ça dans Natidengou et autres. Et donc, il y a des solutions qui sont à côté. Écoute, on n'a pas besoin d'aller chercher l'agrégat dans une université à Sorbonne pour venir appliquer les solutions. C'est terre à terre. L'État a le pouvoir de mettre des brigades en place. La République décentralisée, c'est les mairies. Et puis, les mairies peuvent mettre en place leur brigade pour aller contrôler les prix sur le marché, le grammage des pains sur le marché. Mais ce n'est pas le cas. On vient à la radio, à la télévision, c'est petit, on descend encore dans l'arène pour dire on n'a plus des mesures. Les mesures se sentent. On ne peut pas chanter les mesures à tout moment. Il faut que la population sente que les mesures sont prises vraiment. Si vous prenez, eux-mêmes doivent quand même s'interroger. Vous avez pris des mesures. Qui ne sentent pas, il a fallu que vous descendiez d'abord sur l'arène pour expliquer les mesures que vous avez prises. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si les mesures sont bien appliquées, c'est la place même qui vont commencer, qui vont monter au créneau pour dire les mesures sont prises pour atténuer le choc que nous avons face à la charité. Et donc, aucune mesure n'est prise au finish. Il ne suffit pas de faire des incantations. Non, mais il y a eu même des annonces officielles. Bah, bon, disons des annonces, au lieu de dire que les mesures sont prises. Alors, Julien Kitty, on va clôturer ce sujet-là. Est-ce que vous avez quelques mesures, quelques propositions pour le gouvernement? Bon, attends, j'ai envie... Non, il a déjà arrêté. Je crois que bébé-là c'est finalement calmé. Il va arrêter totalement le portable. Ne vous en faites pas. Il n'y a que des gens qui ne veulent pas reconnaître les mesures prises par le gouvernement contre la vie chère. Ce n'est qu'à eux que ça arrive, ces perturbations. Non, c'est pour blaguer. C'est pour dire que M. Quignon n'est pas en train de reconnaître, de rappeler ici, alors que lui-même, il avait reconnu, qu'il y a eu des mesures. C'est pas bien de dire que finalement, aucune mesure n'est prise. Non. Nous, je ne pense pas que vous soyez en train de douter. Attendez. Il ne faut pas. Faites sentir les mesures. Les mesures aux populations. Alors, on est unanime sur le fait que des mesures ont été prises. Suffisantes ou pas. Maintenant, faisons sentir. Est-ce qu'elles sont appliquées? Elles sont appliquées. Très bien. Qu'est-ce que le gouvernement a fait pour que les mesures prises soient appliquées? Oui, voilà. Le gouvernement. Qu'est-ce qu'il a fait pour sanctionner ceux qui n'appliquent pas les mesures? Oui, le gouvernement n'est pas fait de magicien. Je pense que c'est des gens qui ont pris des mesures pour que les dispositions prises soient appliquées. Et c'est parce que certainement, ils ont compris... Mais pourquoi c'est pas appliqué? Non, écoutez, quand vous prenez des mesures, nous tous on le sait ici, lorsque, vous l'avez dit tout à l'heure... Ça remonte quand même vous avez dit par exemple... Oui. Il faut, puisque le gouvernement, même s'il a des structures présentes partout... Il y a toujours que les commerçants véreux ou bien les trafiquants, eux, ils vont toujours trouver des solutions. Mais comment il faut les traquer? Il faut mettre la population à contribution. Ça veut dire qu'il faut mettre en place un système qui mette à l'aise la population qui est consommateur pour informer. Des numéros pas communs. Oui, pour informer. Par exemple, ce sont des propositions. Le numéro vert qu'on a eu au niveau de la présidence de la République, c'est clair que le gouvernement a dû constater que ça n'a pas été. Le gouvernement n'a pas pris l'option de la répression. Non, jusque là. La répression, le gouvernement a pris l'option de la répression, mais nous avons constaté nous tous que. La répression n'est pas allée là où ça doit aller pour que ça serve de leçon à d'autres, pour que la démarche pédagogique puisse impacter. Parce que, comme vous l'avez reconnu, je suis d'accord également, que lorsqu'on dit on va sanctionner les vendeurs de ciment, les boulangeries, lorsqu'on en parle, on menace. Lorsqu'on ferme une boulangerie de renom qu'on connaît dans une ville et tout le monde peut savoir ça, on peut dire attention, ça veut dire que ça a commencé. Ouais. D'accord. Oui, c'est ça. Alors, donc, mais pourquoi ça n'arrive pas? Je pense que le gouvernement, sur ce plan-là, n'a pas fait suffisamment comme on l'aurait souhaité. Ça, nous le reconnaissons par ici. Maintenant, le gouvernement peut avoir ses raisons. Maintenant, lorsque le gouvernement va en contact, au contact de ces populations-là, je vous ai dit, les populations, moi j'ai entendu des choses qu'on peut ériger au rang donc, de proposition concrète entre temps a été dévié. C'était beaucoup plus pour aller écouter la population. Ça ne signifie pas que le gouvernement n'a rien fait. Moi ce que je souhaite avec les résultats de cette tournée là, ce que je souhaite,
c'est que le gouvernement prenne la mesure de ces... Ces retours de terrain. Oui, de ces retours de terrain. C'est-à-dire que nous sommes en train de voir que le gouvernement peut-être a dépensé de l'argent, aller sur le terrain, aller rencontrer. On pense Julien que... Julien Kitty, nous allons... Nous irons sur le troisième sujet, s'il vous plaît. Certains pensent que ce n'était pas... Ce n'était pas totalement utile. Mais je vous jure, un gouvernement qui est allé au contact de la population et à qui les populations de vive voix ont dit ce qu'elles veulent. Ce gouvernement, s'il n'applique pas, maintenant ici, il ne met pas en place le dispositif qui permette de satisfaire la population pour la soulager, ce gouvernement va être doublement puni que par rapport au gouvernement qui communiquait de loin. Parce que dans chaque contrée, dans chaque commune aujourd'hui, les populations peuvent dire, j'ai dit ça devant tel ministre, tel député, tel directeur. Tel jour dans telle salle. Aussi, et tout le monde a aujourd'hui... Non, aujourd'hui, monsieur Kayon, réjouissez-vous de ce que nous sommes à l'aide du numérique. Aujourd'hui, toutes les populations, celles de la population à la base, là, on a au moins des capsules de vidéos, de petites vidéos, où tel ministre a dit telle chose, tel ministre a dit telle chose. La chose. Si bien dès que ça ne va pas se faire, on va leur ressortir ça. Non, on a vu des capsules dans ce pays où des ministres ont dit des propos, on les a balancés. Je ne suis pas d'accord quand vous permettez de dire que vous allez vous entourner est d'une inutilité rare. Non. C'est de l'exagération. Et il faut que vous remodériez vos... D'accord. Mais il faut 30 secondes. Il faut, je dis, que maximum. Ces commerçants qui maintiennent du moins le prix de la denrée, qui s'entêtent, ils ont été tassés comment? Ils ont été tassés comment? Moi, je crois d'abord que la solution est là. Il faut que le gouvernement revoie cette tasse. Je vous rapporte les propos d'une dame dans un taxi. Oui. Elle dit, les produits... nous coûteront moins cher que lorsque les taxes vont diminuer. Alors, c'est ça le plan réel. Mais point, tu as dit à la solution. Final. Merci beaucoup. Ouais. Nous allons passer au dernier sujet, au rôle de cette émission. C'est la création du tribunal spécial des conflits domaniaux. Vous êtes à votre place, Hilarion Kayon. Vous êtes dans ça, ce dans ce studio. Il a posé la question, il parle comme au tribunal. Il dit le dernier sujet au rôle. Nous vous écoutons. Non, mais abordant ce sujet, en même temps que je voudrais saluer l'arrivée de ce tribunal, des tribunaux thématiques qui ont commencé par naître à l'aide de la rupture, je voudrais faire remarquer qu'avec la naissance de la CRIET, qu'est-ce qui a diminué? Rien n'a diminué. Les crimes économiques, les grands crimes, rien n'a diminué. Bien au contraire. Oui, si vous allez voir le PS Mario aujourd'hui, il va vous dire, lui et sa famille vont vous dire ce qu'ils endurent. Ce qu'ils vivent. Oui. Et donc, je voulais dire, Hilarion Kayon, qu'au moins avec la CRIET, tout ce qui était caché a commencé par être révélé. Mais il y a beaucoup de détournements dont on ne savait absolument rien. Il y a quel élément? Ils sont aujourd'hui sur la place publique. Les femmes de détournement, c'est la même chose depuis la révolution à nos jours. C'est pour dire que les tribunaux thématiques ne sont pas encore les solutions aux problèmes que nous avons. Mais au moins, ça désengorge les tribunaux de droit commun. Non, mais on a seulement dit tel dossier, vous allez vers tel juge. Oui. C'est terminé. Puisque lui, mais au moins, ce juge-là se consacre rien qu'à ça. Avec d'autres. Oui, mais ça diminue quoi? Ou c'était des reports interminables. Ça ne diminue rien. La CRIET n'a rien diminué. Ah bon? C'est votre avis? Ça n'a rien diminué. Bien au contraire, les crimes s'augmentent. Et pour ça, je disais tantôt à l'entame, allez interroger le PS Mario et sa famille. Ils vont vous dire ce qu'ils ont dû. Je ne suis pas sûr qu'il ait pu prendre le repas du soir. S'il vous dit ça remonte à quel jour son repas du soir à la maison, vous allez crier. C'est pour dire que les tribunaux thématiques n'apportent pas de solution aux problèmes qu'on vit. Je pense qu'il faut plutôt attaquer la solution. À la base, il vaut mieux aller vers les sensibilisations, accentuer les sensibilisations. Sinon, les tribunaux d'exception, les tribunaux thématiques tels que ça s'observe, je ne pense vraiment pas que ce soit la solution au problème domaniaux. Regarde, on vient de créer le tribunal, ce sur quoi nous sommes en train d'opiner maintenant. Aujourd'hui, là, le paysan qui est au village, qui veut revendre la parcelle de son père, qu'est-ce qu'il en sait? C'est vrai, ils auraient réussi à désengorger les autres tribunaux et que finalement on va finir par remarquer la disparition des tribunaux ordinaires parce que après ça on va spécialiser chaque coup bon si ça peut amener quelque chose de positif
à nos maisons de droit, c'est tant mieux. Mais est-ce que vous ne pensez quand même pas qu'il y aura un impact sur la pratique qui a pratiquement, qui a particulièrement cours dans la commune d'Abou-Bakalavi, par exemple, où c'est un sport quotidien. C'est ça que les affaires domaniales. Vous avez vu comment les affaires domaniales, pardon. Comment le trafic de la drogue a pris d'ampleur maintenant au Bénin. Mais attends, si les gens avaient si peur de la criette, depuis la naissance de notre pays, du Dahomey à nos jours, je n'ai jamais observé le trafic de la drogue au Bénin tel que ça se fait maintenant après la création de la criette. Peut-être que ça se passait, on n'en savait rien. Mais attends. Puisque ce n'était pas révélé, on n'en parlait pas. Moi, je n'en sais pas grand. Je parle de ce que je vois. C'est ce que je vois là que je dis. Ce que tu dis qu'on n'a pas vu, on n'a pas vu. Donc ça n'a pas existé à nos yeux. On opine sur ce que nous avons vu. Si la drogue, le Bénin est devenu la plateforme de la drogue, on dirait que ils ont trouvé quelque chose de manière particulière dans notre pays, ou bien il y a des trafiquants assez particuliers. Malgré la criette, ça se passe. Le trafic des devises, vous avez vu comment ça prend d'ampleur. Et donc, la solution ne doit pas être la création forcément des tribunaux thématiques. Il faut chercher la solution ailleurs. Il faut chercher la solution ailleurs parce que, d'abord, les juges ont reçu des formations typiques sur les thématiques sur lesquelles on se base pour créer ces tribunaux. On va régler tout ça. Et donc, c'est pas, ça sera fait. Il faut la former. Spécialisation. Il vaut mieux spécialiser avant de créer. On ne crée pas avant de former. De toute façon, ce n'est pas encore créé. À mon avis, c'est maintenant que le décret sera transmis à l'Assemblée nationale qui pourra élaborer la loi qui consacre la chose. L'essentiel, c'est que le mal soit conjuré. C'est l'essentiel. C'est si ça arrive à faire conjurer le mal, c'est tant mieux. Julien Kitty, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bienvenu la création d'une telle cour? Non, je trouve que c'est très pertinent. Ça ne se limite pas à l'aspect sous lequel Hilarion Kenyon l'a analysé. Encore que même à ce niveau, ces tribunaux, ce qu'il appelle ces tribunaux, ces juridictions thématiques, les dossiers domaniaux étaient toujours traités au niveau des juridictions de droit commun où vous avez les tribunaux ordinaires qui étaient là, qui connaissaient de tous les dossiers avant qu'on arrive au tribunal spécial qu'est la criette par exemple. Et dès qu'on a créé la criette, tous les dossiers qui sont au niveau de ces autres juridictions et qui relèvent de la compétence de la criette lui ont été envoyés. Et moi, j'ai participé il n'y a pas longtemps à un atelier où il a été question de trouver les possibilités pour un traitement rapide des dossiers dès que un officier, la question qui s'est posée, c'est de savoir un officier de police judiciaire, lorsque il veut faire l'enquête préliminaire, il prend un dossier. Est-ce que tout de suite on lui donne la possibilité sans aller voir le procureur du tribunal de compétence où se trouve son commissariat, et il peut déterminer que ça relève de la criette et envoyer ça là-bas. Au lieu d'envoyer ça au procureur qui ici va avoir le temps après d'envoyer ça au procureur spécial, mais il y a des passerelles qui ont été trouvées. Par exemple, les gens sont allés même aussi simplement que ça pour dire qu'il faut que le procureur du tribunal de compétence, le procureur spécial et le commissaire soient sur un forum ensemble. Pour que dès que ça arrive, un dossier, on puisse dire ceci, c'est valable à la criette, et on envoie ça directement. Alors, l'intérêt de la création de ce tribunal spécial qui va connaître des affaires domaniales, je pense personnellement que c'est d'abord lié à la masse critique du dossier lié à ça. C'est-à-dire que si les dossiers domaniales et domaniaux sont très nombreux, voilà. Quand vous prenez le tribunal d'Abou-Bakalavi, par exemple, moi, je ne sais pas par quelle magie les juges qui sont là-bas là, arrivent à travailler parce que 9 fois sur 10, vous avez des affaires domaniales. Et quand vous prenez un conflit domanial, c'est pas un dossier que vous pouvez traiter aussi rapidement. Même à l'enquête préliminaire, le juge et l'officier de police judiciaire, il n'a pas tous les moyens pour rassembler tous les éléments. Alors, et il y a tellement de subtilités autour et on a déjà vu des cas ici où des décisions de justice ont été rendues. Et on s'est rendu compte que les juges ont été floués parce que pour avoir tous les éléments constitutifs d'un dossier, d'un bon dossier, pour pouvoir rendre une décision qui mette presque tout le monde d'accord, il faut peut-être faire des années avant de pouvoir rassembler. Pendant ce temps, il y a des gens qui font AVC parce qu'on les a, ils ont acheté leur parcelle pendant 10 ans, veulent construire après. Vous avez déjà vu dans vos locaux ici venir des gens qui sont presque à la limite de la démence pour des affaires domaniales dans lesquelles ils se sentent floués. Alors, qu'on ait un tribunal spécial pour s'en occuper,
Je pense que c'est une bonne chose. Ça veut dire que toutes les affaires domaniales vont être rassemblées là. Maintenant, la question qui se pose et qui vaut tout son pesant d'or, c'est est-ce qu'on a recruté suffisamment de magistrats pour animer ces tribunaux-là? Parce que si on crée des tribunaux, c'est très bien parce que les dossiers sont beaucoup. Il faut maintenant recruter des magistrats pour le faire. Ils ont déjà une formation de base qui leur permette de pouvoir connaître de ces dossiers parce qu'ils connaissent les techniques et les démarches. Maintenant, les affaires domaniales ont encore des spécificités. Je pense que les tribunaux de conciliation qui étaient revenus, je ne sais pas si ça a bien fonctionné, ça fonctionne bien. Ça permet de traiter jusqu'à un niveau de ces dossiers, de donner les renseignements pour que le juge, pour rendre sa décision, ne se contente pas de ce qu'il y a dans le code pénal, qui a écrit depuis je ne sais quand, écrit par des intellectuels, mais qu'il interroge comment les acteurs sociaux, comment les affaires de terre, ça se règle dans une famille chez nous pour pouvoir rendre ces décisions-là. Et donc, moi, je pense que c'est une très bonne chose. Et il y a aujourd'hui de plus en plus des experts dans le domaine du foncier. Que ceux-là, même s'ils ne sont pas juges, pour la plupart, ils sont juristes à la base. Que ceux-là, on crée, pourquoi pas, des chambres qui les écoutent. D'accord? Un peu comme la chambre des experts. Très bien. Pour pouvoir donner des avis aux juges. Parce que l'autre problème... L'autre problème, si vous prenez des juges en aparté, on a tous des amis juges, ils vont vous dire, le juge, quand il finit sa formation, il n'est pas devenu un extraterrestre qui peut connaître tous les dossiers. C'est clair. Le dossier qui se met devant lui aujourd'hui, est-ce que le juge était habitué il y a 10 ans, il y a 20 ans derrière, à des crimes liés à Potipota? C'est-à-dire, quelqu'un peut se plaindre aujourd'hui, à la cybercriminalité. C'est maintenant que des unités de police sont en train d'être créées, on les forme pour connaître de ces dossiers-là. Donc, Merci beaucoup. Que c'est une très bonne chose, mais il faut plus de magistrats et il faut que ça, on ait, comme on a dit pour les gouvernants, il faut aussi que ces juridictions-là connaissent de certains dossiers qui aboutissent et qu'on ait des preuves qu'on a fait justice. Ilayon Kayon, ce sera votre dernier mot. Vous voyez ce tribunal-là, si j'ai où? À Boumé-Calavi ou ailleurs? Naturellement. Ou c'est même produit. Pourquoi vous voyez Calavi? Certains parlent de Porto Novo. Il y a pire que se passe ailleurs qu'à Boumé-Calavi. Non, parce que c'est le seul comme nous, tous les maires sont allés en prison pour les affaires domaniales. Non. Au fait, ce n'est pas forcément pour le fait des affaires domaniales. Vous pouvez voir aussi derrière d'autres raisons. Pourquoi vous le voyez? On vous a amené à voir affaires domaniales. Oui. C'est ça. Et vous êtes allé à affaires domaniales. Oui. Mais vous ne savez pas pour quelle affaire réelle les gens sont allés en prison. Et on vous a amené à voir affaires domaniales. Il y a pire ailleurs. Il y a pire qu'à la vie, n'est pas la plus mauvaise commune. Il y a vraiment pire ailleurs. C'est vraiment... Mais je voudrais, avant de finir, lancer un dernier appel aux dirigeants par rapport au caractère des élections mixtes, diverses élections mixtes dans notre pays. Vous y revenez, est-ce là. Que c'est très important. C'est très important. Oui, pourquoi pas. Ça vaut le pesant. Le pesant d'or. Moi, d'accord. J'attends surtout merci beaucoup. Je suppose que l'illustration chers sera auditeurs. Pas une photo. Le débat va se poursuivre hors des micros de Diaspora FM. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous vendredi prochain, si Dieu le veut. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM, la 102.3, tous les vendredis à 18h, rediffusion dimanche 17h.